terrain instable, des escaliers, des descentes. Le cross est une discipline particulière de l'athlétisme. En Valais, seules 4 compétitions sont organisées durant l'hiver, une sorte d'entraînement de base pour les courses de printemps. C'est surtout pour me préparer pour la saison à venir. Les crosses, c'est des conditions souvent très difficiles, des terrains boueux, des terrains dans les champs. Et pour moi, ça renforce ma condition physique et ça m'endurcit pour la saison à venir. Vous allez assister dans quelques minutes au départ des écolières C. Pour les coureurs, ça veut quand même dire à quelque part qu'ils vont développer l'endurance, l'envie de se battre. Surtout le contact avec la nature qui est important. Et puis finalement, ça fait quand même un bon renforcement. Hein. À Saint-Maurice, 300 coureurs étaient présents. Une participation réjouissante selon l'organisateur. Mais la plupart sont des enfants déjà acquis à la cause. Le cross est typiquement quelque chose de club. D'ailleurs, ici aujourd'hui, c'est clair, quoi. Les grands clubs valaisans sont représentés en nombre. Il y a quelques populaires, mais... disons, à la fin, ils s'entraînent quand même dans des clubs. Il y a 25 ans, les championnats suisses de cross rassemblaient 1700 partants. L'année passée, le nombre était réduit de moitié. Le cross ne connaît pas la même popularité que les courses de ville comme Sion, Saillon ou Martigny. On court souvent dans des conditions très difficiles. On a pour habitude d'avoir des terrains pleins de boue ou de neige, donc ça peut faire peur à certains. Il manque le chaud, quoi. Hein. Vous allez à Genève, c'est le chaud. Hein. Il y a des masqués, il y a des pas masqués, il y a des clubs qui font des trucs. C'est animé d'une autre manière. Ici, c'est carrément... il faut se livrer. Hein. Après 100 mètres, il faut se battre. Hein. Le terrain, il n'est pas plat, ça glisse, ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va... C'est pas pareil. Mais je suis persuadé qu'il faut passer par là pour être bon ailleurs. Samedi, les coureurs ont pu compter sur une météo clémente à Saint-Maurice. Les plus courageux se retrouveront en janvier prochain à Sierre pour la 2e étape de la tournée cantonale.